Coucou, bonjour à tous. Alors là, je fais la vidéo dans mon lit. Il y a Léa qui m'a rejoint parce que là, j'ai dit viens voir. Regardez ce qui se passe depuis le temps. C'est la première fois que Redzetti est ouvert. Donc ça, c'est le grand événement. Hein. Donc il est 21h40. On est le 19 décembre, demain soir. C'est les vacances! Oh et voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas. Ça veut pas dire qu'on va plus faire de vidéos. Au contraire. Alors on y va. On va en faire plus. Hop! Oh, c'est trop bien. Allez, dans la piscine. Oh. Couloir céleste. Bah, t'avances. Bah, attends. Ah, c'est orange, je dis c'est rouge. Mais... Attends, je vais lire. Écoute-moi bien, il y a des gens qui travaillent ici. C'est sérieux. C'est pas une cour de récréation. Tu n'as pas idée de ce qu'il faut. De ce qu'il faut pour faire ce métier. Je dois rester sur le qui-vive pour être prêt à travailler à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Tu sais ce que je fais le jour de mon anniversaire? Je travaille. Et ben moi, le jour de mon anniversaire, c'est après-demain. Et elle fait des larmes. Elle travaille. Enfin, si, elle travaille, mais à faire des vidéos. Ouais. Et tout ça en regardant mon esprit et mon cœur parfaitement relaxés. Ça m'aide à rester alerte pour les moments où c'est vraiment l'enfer, c'est-à-dire tout le temps. J'ai passé 30 dernières années à parfaire cet équilibre entre le calme et la colère, c'est un art. Regarder la télé pour me relaxer, c'est partie de mon boulot, tu vois pas que tu déranges. Non mais dis donc. On peut pas s'asseoir, hein? Non. On peut pas regarder mes placards. Ça, avec ma chère Betty, là, tu peux te tourner par contre. Ah, il y a des toilettes! Ah, il y a une porte! Ah, tu peux t'asseoir dessus. C'est quoi le truc là-bas? Ah, c'est d'autres toilettes encore. C'est nul chez lui, on peut pas s'asseoir. Oh, par exemple. Il y a rien à voir. Par ici, on circule zou du balai. Ça fait ça la première fois, mais peut-être qu'après, on peut faire ça. Que mon plaisir arrête de tourner en roue et sort d'ici. Je ne pas, ça tombe à l'air. Ça ne m'ouvre pas à toucher à quoi que ce soit, ok? Regarde tes mains dans tes poches. Mais on n'a pas de poche. Ça ne m'ouvre pas à toucher à quoi que ce soit. Je crois que là, il a tout dit. Hein. Bon, ben voilà, ben au moins on est rentré, hein. Oh, il n'y a pas qu'à laisser ces haltères là. Bon, pendant qu'on y est, on fait une vidéo. Eh, il y a un, deux, regarde. Ben oui, je l'ai fait la vidéo. Là. Ah oui. Non, mais pendant qu'on y est, on va faire une plus longue vidéo, on va pas te montrer ça, tu vois. Non, je vais leur montrer ma maison agrandie. Bon, mais on va pas montrer que ça, puisqu'on... Non, mais il est tard, là. Et demain, on va... Oh, ça s'est fermé. Peut-être c'est tous les jeudis à quelle heure? Ah oui, il faut qu'on regarde. On est jeudi. à 10h moins un quart. Moins un. Ouais. Vas-y. Vaut au café, voir s'il n'y a pas quelqu'un. Non, mais on va pas jouer longtemps. Ah, je vais aller au café, t'as raison. Non, on est resté dehors les abeilles. Il n'y a pas de miel ici. Bon, non, reste non, avec Cibolo, elle a besoin de toi. Je vais leur vous montrer ma maison. Il a besoin bon, de toi. J'ai Cibolo. Toujours pas la barbe du Père Noël. C'est pas grave, t'es jolie sans barbe. Merci. Mais t'aimes pas le miel. Encore ? Ah, vite au café ! Mais c'est pas possible, ça. En hiver, normalement, il n'y a pas d'abeilles. Ben oui, c'est bizarre. Hein. C'est ce que je dis tout le temps. En Animal Crossing, c'est toujours pas comme dans la vraie vie. Ouais.
On leur raconte que on a vu quelqu'un qui ressemblait à... Ah ouais, une fois, on était dans la rue en voiture, on allait quelque part, je sais plus où, on s'arrêtait à un feu, il y avait un feu rouge, on a vu quelqu'un, qui, il avait pas la même tête, mais en fait, la veste et les vêtements et tout, il ressemblait, oui, et le chapeau, il ressemblait au donneur de badge. Ouais, mais vraiment, hein. J'ai cru que c'était lui, hein. Il avait mais la même, les cheveux blancs, la même corpulence, les mêmes vêtements et le même chapeau. Ouais. C'était quoi, vraiment le corps, la taille du corps. Ah. C'était marrant. Bah hein. Non, il est tout petit, il est de cette taille. Ton arrête, fait. Arrête. Il a traversé juste devant nous. Ouais. C'est dommage, j'avais pas mon portable, sinon je l'aurais pris en photo pour vous montrer. Et leur raconte, c'est que il y avait, tu sais, le truc, et du coup, tu ne pouvais pas, parce que ça me frappait et tout. Attends. Non. Tu sais, le jour là, où tu comment ça s'appelle, là, t'avais passé tout. Et du coup, je vais faire le truc. Mais est-ce que je peux pas dire peut-être que tu veux pas que je le dise, c'est pas... Bah oui, donc je le dis. Bon alors. Non, parce que peut-être que tu veux pas que je dise les mots. Oui, c'est bon, ça va, mais non. Alors, je vous montre ma maison parce qu'elle est agrandie grâce à Alexis. Ouais, bah c'est pas sa maison, c'est ma chambre. Il m'a donné beaucoup de clochettes. Oui, alors il y a déjà la chambre de Léa. Grande. Oui, parce qu'il n'y a pas de sol dans ma chambre. Alors. Ah, les feuilles, elles sont blanches. Ouais. Ah, mais elles sont dorées. Elles sont dorées. Ouais. Voilà, là, c'est plus grand. Mais pourquoi il y a plein de coupes dans ma chambre? J'ai rien gagné du tout. Mais dès que ça se lève, ça fait bizarre. Pourquoi tu mets pas dans les trous là-bas? C'est bizarre. Là, et là, il n'y a pas de place pour mettre d'autres. Je vois pas pourquoi tu es en plein milieu alors que tu as plein de place. C'est parce que j'avais pas bien rangé. Ah. Elle est là-bas, l'autre. Tu crois qu'il y a des toilettes au nord? Je sais pas. Déjà mieux. Et attends, faut voir un truc, juste un truc. Ouais, attends. Et après, je vais vous emmener au musée parce que j'ai eu une nouvelle pièce de musée. Mais pourquoi j'ai plus le... Pourquoi il n'y a pas le sol? Le sol dans ma chambre. Je sais pas. On en met un. Voilà. T'as celle dedans? Oui. Et alors? Regarde ma piscine et comment c'est calme. Ah oui, la piscine, tu m'avais montré. Elle est plus grande maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai envie de plonger dedans. Et je vous emmène au musée maintenant. Au musée. Non, tu sais pourquoi je te dis d'aller au coiffeur? Non. Parce que comme ça, tu peux, comme t'as la vidéo, tu peux retenir les goûts des habitants que tu les vois en vidéo. Non, pas vrai. Moi, je dors demain matin. Ah bon? Ouais, je dors, je me réveille pas. Enfin, c'est moi qui me réveille, c'est pas toi qui me réveille. Alors, venez voir. Putain, j'aime beaucoup plus quand je dors. Moi, demain, je dors. On a dit qu'on va se réveiller tôt, mais non, moi, je dors. Alors, venez voir ça. Est-ce que t'as une nouvelle pièce? Non, j'ai pas une nouvelle pièce, une nouvelle œuvre. Enfin, oui. Voilà. Ah, c'est le vrai? Ouais. Voilà, statue majestueuse. David.
artiste. Ah, oh, cette statue représente David armé d'une fronde, prêt à affronter le géant Goliath. Voilà. Après la princesse, je sais pas. Bon. Sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était une toute petite vidéo, mais franchement, je voulais partager ça avec vous et avec Léa. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.